بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et tout grand Dieu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui nous célébrait ce louange, nous proclame ce grand Dieu, nous demande l'aide, nous demande le pardon. Nous demande protection contre tout ban mal qui est dans nos propres nafs et nous demande protection contre tout ban mal qui est dans nos propres actions. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide personne pas pour capable égarer et celui que Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer pas pour trouver aucune guidance pour lui. Ensemble avec d'autres frères et sœurs, nous témoignons qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est unique, celui qui n'a aucun partenaire, qui n'a aucun associé, celui qui ne dépend pas de l'eau, tout qui se dépend de l'eau. Et nous témoignons que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager et prophète, ban frères et sœurs, qui l'a payé la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, les restes aux autres. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala se faveur immense pour nous. Nous encore vivants et il peut permettre nous accomplir encore un namaz Jum'a dans nous la vie. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y fait en sorte que depuis Jum'a dernier jusqu'à aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous nos péchés. Amen. Dans la vie, un djimoun, une petite chose qui tout le temps arrive, lui, ses difficultés, ses ben moments extrêmement pénibles dans la vie. C'est un moment que les pensées qui fait une arrive, c'est lui-même sa difficulté et que sa problème là. L'attitude beaucoup de gens, c'est comme si ils peuvent vivre sur la vie tranquille, mais seulement ils peuvent gagner une difficulté. Il y en a une perception qui sur la vie est supposée dans telle façon, mais puis arrive, ils peuvent gagner une difficulté. Ils ne sont pas contents, ils ne peuvent pas comprendre. Tandis que les autres démons, les latitudes et façon qu'ils trouvent une difficulté, perception qu'ils ont l'eau une difficulté, c'est qu'ils savent même la vie là. Ce n'est pas que je peux vivre et que je peux avoir une difficulté, non. Sur un monde, une difficulté, ça même la vie. Qui quantité est heureux, c'est des démons qui pensent comme ça là. Quand il y a une difficulté dans la vie, ben ça même la vie, je peux faire face à une difficulté. Dans une situation de crise, dans une situation que j'ai senti qui n'est pas pareil comme à tous les autres jours, dans une situation que j'ai pensé qui peine à une autre difficulté qui plie grand, qui sa difficulté, sa problème qui finit tous les là. Dans un moment pareil, et dans un moment malheureusement, comme nous disons dans le langage, je disais des hommes, je rentre dans un état dépressif. Je n'ai plus un goût à la vie. Je commence à rentrer dans une petite chose, je commence à avoir l'habitude qui pas faire honneur à un insan. Et plus grave si un musulman il commence à engager dans une petite chose qui pas faire honneur qu'il y a un insan et même qu'il y a un musulman.
Donc, il y a des gens qui sont dans la drogue, il y a des gens qui sont dans l'alcool, il y a des gens qui arrêtent de travailler, il y a des gens qui ont réagi d'une façon violente face à sa situation. Souvent, quand nous trouvons dans un moment difficile dans la vie, en tant qu'un en tant qu'un individu, ça va un moment difficile là, lui permettre nous remettre nous-mêmes en question. Surtout pour un musulman musulmane, une des premières questions qui est capable de venir dans la tête, c'est est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire un test avec moi, ou Allah subhanahu wa ta'ala peut faire moi vivre conséquence de ma désobéissance. Une question qui est capable de tourmenter un musulman, une musulmane qui est dans une difficulté. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tester moi? Quand je peux avoir un frère et une soeur qui est proche avec moi et je peux mettre sa difficulté là devant eux, ben des gens qui ont l'espoir, peut donner moi l'espoir, je peux faire moi comprendre que c'est un test ça depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ou c'est un des gens qui, de fois, à cause de pas compte en moi, je vous dis, c'est conséquence de désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sa question là, sa réponse, chacun d'entre nous, ben frère, ben soeur. Nous tous seuls uniquement qui sommes capables de répondre nous-mêmes. Si honnêtement, quand nous tous seuls, dans l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous révisons la vie, nous guettons un coup, rythme la vie, est-ce qu'il est dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il peut faire des efforts constamment pour améliorer mon relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien me permet une la vie déjà qui remplit avec désobéissance, une la vie que tu peines soit là dit tout là-dedans, une la vie que tu es loin avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, moi musulman, musulmane, si nous honnêtes envers moi-même, je peux finir connaître est-ce que c'est un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ou ses conséquences de mon désobéissance vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens ont un concept qui est extrêmement connu, c'est qu'après cyclone, il y a beau temps. Après tempête, les temps là pour changer, soleil pour élever. Donc, après sa difficulté là, nous prenons une situation qui est meilleure que sa difficulté là. C'est un concept qui est répandu ça. Et c'est une façon positive pour affronter une difficulté ou pour trouver une difficulté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, concept qu'il enseigne nous dans le Coran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enseigner nous une façon pour trouver une difficulté. Il peut donner nous pour nourrir une perception par rapport à une difficulté qui est différent avec après tempête et na bon les temps. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre. Fa inna ma'al usri yusra. Certainement, sans aucun doute, avec sa difficulté la même et la facilité. Et subhanallah, sa ayat Quran là, l'y répéter, pareil comment il y a beaucoup d'ayat qui répétaient dans plusieurs surahs, mais sa ayat Quran là, l'y répéter tout de suite. C'est l'ayat Coran qui répétait tout de suite. Il ne pas répète dans une autre surah. Il ne pas répète quelques ayats après dans la même surah. Non, il répétait tout de suite. Fa inna ma'al usri yusra. Alors, certainement, avec difficulté et la facilité. Inna ma'al usri yusra. Sans aucun doute, avec difficulté et la facilité. Donc, pour un musulman et une musulmane, quand il est affronté avec une situation difficile et une difficulté, ce mindset est comme ça. Ce n'est pas après sa difficulté là qu'il m'a facilité, non. Ensemble avec sa difficulté là, il a facilité. Mais parfois, malheureusement, nous tellement, il renferme nous dans sa difficulté là, il est possible qu'il ne nous trouve pas une facilité là. Pour nous capables de comprendre ça, dès l'image qui nous capable présente nous, c'est comment un métal qui est précieux. Un métal qui est précieux, quand il est encore dans ce, l'état raw, il paye dans sa quantité de valeur. Il paye dans sa quantité de considération là, devant les yeux du monde. Mais seulement quand on prend sa métal, là, transforme-le dans un salaire qu'il jamais fini connaît.
Donc un salaire que ce l'état changé, l'état solide devient liquide, un métal qui devient liquide, un salaire que on ne plus reconnaître lui. Dans sa salaire là, il devient pur. Son impureté disparaît. Et après ça, moulli, sans se forme, moulli fait lui vivre un objet qui gagne valeur parce qu'il est pur et il gagne valeur devant l'Igé Djimoun, ce considération devant l'Igé Djimoun, ça objet là, ce considération devant l'Igé Djimoun, lui augmente. Inna ma'al usri yusra. Dans sa difficulté la même et la facilité. Pareil comment un chrysalide, un love qui. Il peut construire un cocon pour lui capable de vivre un papillon pareil. Dans sa difficulté, surtout quand il peut sortir depuis sa cocon là, et la facilité après. Il vit une autre petite chose qu'il était avant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous comprendre dans un hadith authentique, qui ban plus grand test, ban plus grand test fin arrive à ban prophète et ban messager. Après Benjamin qui prie avec Zot et Benjamin qui prie avec Zot. Veut dire que quantité de tests, intensité de tests, intensité de problèmes qui arrivent à un mu'min, un musulman, une musulmane, li pou dépend niveau de son iman devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa façon là qu'Allah subhanahu wa ta'ala li montre nous sur l'amour étrange. Allah subhanahu wa ta'ala se sagesse. C'est sa façon là qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut définir qui s'en a les plus contents parmi sa bonne insan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit fait nous connaître dans un hadith authentique. Rajaban li amril mu'min. Qui qualité li étrange situation en croyant, en croyante. Qui quantité li étrange situation en qui ken kena iman. Inna amrahu kullahu khayr. Tout ce bon situation qui lui passé, lui bon pour lui. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Et une situation pareille, toute situation bon pour lui, pas arriver à un autre, excepté à un croyant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui continue de dire, dans ce sens-là, qui quand arrive lui une petite chose qui lui content, arrive lui un contentement, arrive lui un bon petite chose. Il pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et ça bon pour lui ça. Ça bon pour sa mu'min. Et quand arrive lui une mauvaise chose, quand arrive lui un problème, quand arrive lui une difficulté, il tient ferme avec la patience. Il tient ferme devant Allah subhanahu wa ta'ala et ça bon pour lui ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur la vie, et ben sahaba radiallahu anhum, nous la vie rempli avec ben difficulté. Et je suis sûr de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une de mes plus grandes difficultés qui n'arrive, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand un hypocrite fait une tâche l'eau, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Une situation qui est extrêmement difficile pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour Aïcha radiallahu anha, pour Abu Bakr radiallahu anha, radiallahu anhu, et son madame, et tout le sahaba qui dit sincère autour. Pendant plus qu'un mois à peu près, quelques semaines, Aïcha radiallahu anha lui dit, peine à un moment qui finit passer, qu'il n'a pas fini pleurer. Qui qualité sa situation est difficile. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tellement sa situation a fini tourmente lui, il n'est plus connu si sa man rimer, qui ban hypocrite peut circuler la vraie ou fausse. Aïcha radiallahu anha lui demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam permission pour y aller risque de ce papa. Ziska qui nous connaît très bien Allah subhanahu wa ta'ala après, fin innocente Aïcha radiallahu anha. Donc, plus grand test, il vient à ban messager et ban prophète, après ban djimoun qui suivent, après ban djimoun qui suivent. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Baqara, il fait nous connaître. Il pose une question à un mu'min, un musulman, un djimoun qui a iman. Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ont pu rentrer dans Jannah? Comme ça même. Tandis qu'il y a un qui avant eux, qui touchait pour un test,
qui est touché par la pauvreté, qui est touché par un problème énorme, jusqu'à qui ban prophète qui tient en parmi zot et ban jimoun qui na iman, je t'y tremblé et je t'y peux dire mata nasrullah, quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala so aide pour descendre. Allah subhanahu wa ta'ala lui répond nous ala inna nasrullahi qarib, est-ce qui Allah subhanahu wa ta'ala so l'aide n'est pas proche. Difficulté dans la vie d'un musulman et d'une musulmane, perception vis-à-vis de ce problème-là nous faisait songer. Nous disons comment on se trouve dans quelque chose qui est positif, qui est dans un problème qui peut arriver nous la vie, qui peut arriver dans nous la vie. Mais avant tout, frère et sœur, première réponse, à première question qui nous faisait poser nous-mêmes, c'est la vie, comment elle y était. Est-ce qu'il constamment me fait des efforts pour améliorer mon relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien mot extrêmement loin avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le monde entier, il y a plusieurs années, et là, comme on dit, il culmine à une petite chose qui est extrêmement drôle vis-à-vis de la communauté musulmane. Problème, il est capable d'arriver à un djimoun, comment il est capable d'arriver à une communauté nette. Tout bon problème qui tu peux faire face, bon musulman qui peut faire face, il concrétise plus encore. Nous connaissons très bien, chef d'État de bon plus grand pays, peut mettre bon la loi pour rendre la vie bon musulman difficile, bon difficulté. Nous finissons trouver plaisir à place que peut boycotter bon musulman. Quoi qu'il bon la peut dire, je ne peux pas faire aucun amalgame, mais quand nous guettons bon action. Nous pas trop quoi si pas un amalgame ou pas, comme on avait dit. Donc, amalgame là, parfois il est clair, parfois il n'est pas clair. Allah subhanahu wa ta'ala l'y comprend. Mais seulement, ban frère, ban sœur, est-ce que nous capables de trouver une petite chose positive dans sa difficulté qui peut arriver à l'ummat là aujourd'hui? Est-ce que nous capables de trouver une petite chose qui est positive, qui peut émerger par rapport à une situation difficile qui ban musulmans, musulmanes, entier le monde, subir. Nous mettons ensemble des trois points. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans signification un hadith authentique, il fait nous connaître qu'il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune tristesse, il n'y a aucune angoisse, qui tous un musulman et une musulmane, même si un pin li tous sur les doigts, il y a le pic sur les doigts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce ban péché. Facilité, quelque chose qui est positif dans une situation qui est négative. Nous finissons trouver dans les médias partout comment est-ce que dans certains pays, quand on met la loi qui paraît directement contre les musulmans et musulmanes, avec sa difficulté-là, il y a quelque chose de positif qui finit émerger. Nous avons des trois points. Premier point. Et musulmans, musulmanes, les bisais continuent, restent dans sa l'état. Quand une difficulté, tous individuellement, l'occasion en or pour réviser sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand une communauté net touchée par un problème, l'occasion en or pour la communauté net révise sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un djimoun qui rentre dans une difficulté, qui gagne un problème, ce problème-là fait lui retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, pas un problème ça. Alhamdulillah, une difficulté, une rapprochée avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas un problème ça. Problème-là, quand il était, c'est quand djimoun qui concernait ce situation commence sans et tout qui chose vient correct dans sa vie, est-ce qu'il y continue à maintenir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tout le temps finit arriver ça. Djimoun dans difficulté, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, pas de problème ça. Encourage ben djimoun, pas de problème ça. Mais
quand difficulté il disparaît et nous éloigne nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, problème là lila. Donc parmi ban point, première fois dans l'histoire possible qui en l'aéroport net une sensé comment dire une masjid dans sa démarche pour empêcher ban musulman rentre dans un pays, ban jimoun il a manifesté dans l'aéroport. Et quand il arrive là pour faire salat, l'aéroport là comment dire une masjid, c'est un point positif qui fait parce que comment ban musulman prier une vin visible à ban jimoun qui jamais qu'il faut trouve ça dans la rue. Jimoun peut manifester contre sa man la loi là, qu'il soit musulman ou non musulman. L'aéroport vient comme un masjid, chemin partout il vient comme un masjid, dans Boston, dans une église catholique vient d'un azan en signe de protestation contre sa la loi là. C'est un signe positif. N'oubliez qui fait les positifs. Dans une situation pareille, sa man situation là, il encourage ban jimoun qui juste ban jimoun qui pas forcément musulman, ban jimoun qui pas forcément ena la foi dans bon Dieu, ban jimoun qui dit je athée, je pas croire dans aucune religion, mais si je crois dans une valeur universelle qui la justice, ça lui fait je remettre en question tout ce que je trouvais ban mauvaise information qui est dans l'islam avec ban musulman. Et ça lui fait ban jimoun qui juste dans ce jugement à étudier l'islam par eux-mêmes. Nous fin trouver comme dit mon fin faire ça. Combien célébrité fin prend position pour ban musulman contre ban la loi injuste. Et ça c'est une petite chose qu'il répétait tout le temps dans Sira. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ban fin boycott ban musulman pendant à peu près 3 ans, pas rien droit faire commerce, pas nous autres manger, pas de nous autres non ni. Pas qu'il y a un droit cause avec eux-mêmes. Ban jimoun qui pas musulman, quand je peux trouver ça l'injustice là, je manifeste, je dis non, pas capable, supporte, pas capable, tolère une injustice pareille. Et ça me peut arriver à Zodi dans une situation pareille. L'autre chef d'État qui a un courage pour appeler une attaque qui finit dans l'ONU masjid dans ce pays comme un acte de terroriste dans les médias, jamais tu peux t'entendre ça. Quand musulman, tu peux avoir un problème. Quand tu peux briller ban masjid, quand tu peux craser ban centre islamique, jamais fin appelle ça terrorisme. Avec sa ban situation là, un chef d'État fin gagne courage pour appeler ça acte la terrorisme. Avec sa situation, ban musulman qui était azourdi, les papes fin gagne courage pour dire que ban musulman en Birmanie peut subir une oppression pas possible. Une parole qui nous pas tu peux t'endé avant. Ban point positif. Ban célébrité, ban média, il commence cause en faveur l'islam et musulman. Qui fait? Parce qu'il pendant trop longtemps, ban entreprise médiatique fin salir l'image de l'islam et ban musulman. Donc ça c'est ban moment que chacun d'entre nous musulmans musulmanes besoin saisir pour contribuer à faire passe message réel de l'islam, message réel du Coran. Message réel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ben situation comme ça fin répété tout le temps dans Sira. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui envoie Moussa ibn Umair radiyallahu anhu à Madina pour préparer le terrain, pour expliquer ban jimoun l'islam, lui préciser avec un groupe jimoun, lui explique zot tawhid, lui explique zot Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui explique zot Coran, Usaid qui pas musulman à ce moment-là, il vient avec une lance et il dit qui te peut faire là. Avec agressivité, il peut empêcher ça. Moussa ibn Umair, un zen qui tient à peu près 15 ans, 16 ans, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam envoie comme un ambassadeur à Madina, il dit comme ça. Ou un djimoun sensé, ou un djimoun qui réfléchit, ou un djimoun intelligent, assisé. Écoutez qui m'a dit, si vous trouvez le correct, correct. Si vous ne trouvez pas le correct, il n'y a pas de problème. Sa même latitude qui nous besoin est à Zodi, musulman, musulmane. Dans une situation difficile, dans un moment où il y a un problème, saisis ça pour faire passer le vrai message de l'islam. Et musulman, musulmane, l'éclair dans nous la tête et dans nous l'équerre, nous ne pas capables de faire un djimoun vin musulman. Pas capables de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle à son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou pas pour capable guide celui qui est content, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qui lit les envies. Quand nous tannons ça, nous capable dire, mais capable une petite préférence dans sa dans Manjimoun? Non, pas une préférence. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire nous connaître, il guide celui qui lit les envies. Premier réflexe musulman qui nous vient, c'est qu'il s'adimoun qui nous tout fini condamné. Ça dit moun qui nous tout fini met d'un côté là-bas, ça gaspillage cause avec lui ça. Il pas comprend. Au contraire, il peut militer pour salir l'image de l'islam avec les musulmans. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il guide celui qui lit l'envie, capable ça dit moun là, ça si Allah subhanahu wa ta'ala lit l'envie. Donc, plus qu'ils jamais, musulmans, musulmanes dans le monde entier, immobilisés par rapport à une situation difficile comme ça. En Amérique, plus encore, ben Jimoun peut porter ben livre pour que Jimoun comprenne l'islam qui était. Courant peut porter cadeau encore plus. En Angleterre, il y a deux semaines de cela. Plus que 150 masjid fin ouverts de la porte. Visit my mosque. Une campagne qui plus que 150 masjid vient faire en Angleterre. Une invitation à la population nette. Vin visit mon masjid. Vin apprendre l'islam qui était. Vin apprendre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui s'en a. Vin apprendre Coran qui était. Pour milliers, milliers, milliers de gens qui visitent tout le masjid. Là. En mars, dans un endroit en Amérique, les meilleurs là fin décrètent ce mois-là comme de Muslim Month. Ça, pendant ce mois-là net, musulmans, musulmanes pour actifs, pour présenter l'islam à Benjamin qui pas connaît l'islam, Benjamin qui pas connaît Allah subhanahu wa ta'ala, Benjamin qui pas connaît Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Benjamin qui pas connaît Coran. Nous aussi, nous devons continuer à faire pareil. Alhamdulillah, il y a beaucoup de frères et de soeurs Maurice qui sont actifs dans sa démarche pour présenter l'islam à musulmans, non-musulmans et non-musulmans. Un appel personnel à tout ban masjid. Ça, c'est une initiative extrêmement noble, si capable de faire un open day national ou bien régional dans l'endroit. Parce qu'il y a open day de Ban Masjid tout le temps. Il y a. Mais si fait ali collectivement pour une plus barakat là. Dans un moment pareil, ban frère et ban soeur, avant qu'il nous termine. Premier kit chose qui chacun d'entre nous, moi-même en premier. Quand nous trouvons un problème, l'Ikouma dit un rappel depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour nous réviser nos situations, réviser nos relations avec lui. Parce qu'il ne faut pas oublier, ben frère, ben soeur, nous l'objectif de cette dunya là, ce n'est pas pour gagner dunya, c'est pour gagner akhirat. Difficulté là, c'est pour continuer. Nous l'attitude vis-à-vis de difficultés bien sensées. Nous besoin comment se trouve un kit chose positif par rapport à cette difficulté là. Premier kit chose. Nous tous, nous révisons nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous tentons dire, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, ben frère, ben soeur, jamais il y a une parole éphémère. Jamais il y a une petite chose qui peine à sens. Non. Chaque dimoun parmi nous, moi musulman, musulmane, quand nous tentons, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, précisément moi, je connais que ça peut faillir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, je dis différent. Quand nous tendons retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas trouvé sa parole là comme dire peine à sens. Non. Moi, je connais, moi, sincèrement. Je connais, moi, que ça peut faillir. Que ça peut faire éloignement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, je fais effort. Chacun pour nous faire effort, ça c'est premier. Dans sa démarche pour améliorer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, premier, c'est rapproche-nous avec lui. Premier kit chose, salat. Li inacceptable que musulman musulman encore peut faire 10 djouma dans cette la vie. Inacceptable. 5 fois par jour dans l'aise quand nous mort. Dans sa démarche pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous regrette ban kit chose qui nous peut consommer. Alhamdulillah, Maurice, ban produit halal li très très répandu. Mais nous bien prend compte ban produit halal. Et troisième petite chose dans sa démarche pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous tous, nous besoin une connexion avec l'enseignement. Nous tous, nous besoin au moins une fois une classe que nous puissions apprendre.
ban causerie, ban khutba, c'est l'encouragement. Mais apprendin, musulman, musulmane, nous devons retourner en classe. L'autre point, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa démarche là, nous tous, nous engageons directement ou indirectement pour encourager, propager le message de l'islam. Amen, dit-on qui pas connu. Si nous tous nous contribuons là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat. Avant tout, qui fait nous faire ça? Pour qu'il nous sauve, nous, la peau devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pas fait nous vignes parmi les bannes qui sont en difficulté dans le kabar et zon qiyama. C'est quand il y a un dialogue, l'élah qui est l'islam, compréhension de l'islam, li grandit, l'exemple est plein. Dans Sirah, que Allah subhanahu wa ta'ala lui aide moi-même en premier et lui aide nous tout qu'il a pour réaliser ce point-là. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre et trouve et sens nos perceptions par rapport à la difficulté qui nous gagne dans la vie, qu'il soit en tant qu'un individu, qu'il soit en tant qu'un umma. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salat.